Ce portrait de Louis XV par Prévost est en fait une reprise du célèbre portrait du roi Louis XIV en majesté par Rigaud, tableau bien connu et dont il existe de multiples versions dans la plupart des musées français. Alors dans cette version-ci, il s'agit de Louis XV, Louis XV jeune, presque encore adolescent, mais revêtu donc de tous les insignes royaux, comme déjà Louis XIV avant lui. Donc il porte son grand manteau d'hermine, le velours bleu aux fleurs de lys d'or montre les emblèmes royaux. Il porte le sceptre, il a la main sur la couronne, il se tient debout sur une estrade avec de riches étoffes chamoirées. Il est lui-même vêtu de blanc, avec des souliers blancs à talons rouges, des bas blancs, une culotte blanche en satin. Donc des habits qui indiquent la majesté royale. Et l'importance de ce portrait, dans ses dimensions aussi, parce que c'est un très grand tableau, montre toute l'importance royale et veut donc démontrer la majesté de ce personnage, donc le jeune Louis XV, roi de France.